Non. J'aurais pu ajouter du sel dans ce café, mais on va pas le faire. On va pas le faire parce que... Enfin, on pourrait le faire, ouais. Non, en vrai, je sais pas. En fait, je suis perdu. Alors, bon, évidemment, le portail est là. Le portail est globalement très mauvais pour moi. Mais ça, de toute façon, c'était sûr et certain. Il va être très moyen pour la plupart d'entre vous. Mais surtout, les amis, bon, bienvenue dans cette vidéo. Je ne comprends pas où sont les tickets. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de tickets. Il n'y a pas de promo. Enfin, il y a une multi à 30 comme l'année dernière. Il n'y a rien du tout. Je ne comprends rien parce que... Alors, je mettrai un timecode pour les allocations comme ça, voilà, tout le monde est content. Je mettrai sûrement en intro. Ouais, timecode. Mais faut juste, voilà, que je parle rapidement du portail et vite fait des petites infos en plus. Les tickets sont nulle part. Alors, on sait qu'on reçoit 3 tickets le 25, je crois. Mais pour quel portail au final? Parce que si c'était ce portail-là, parce que c'est écrit Festival d'Okan de Noël. Et donc visiblement, comme j'en parlais dans ma vidéo ce matin... News, eh bien, c'est pas ce portail-là. Mais du coup, c'est quoi? Parce que c'est bien écrit Festival d'Okan. Hein. Ça peut pas être le portail légendaire de la partie 2, très probablement. C'est pas possible. C'est un Festival d'Okan. Franchement, c'est quoi? Là, pour le coup, je me redis peut-être Tanabata qui va pop, hein, comme je l'avais proposé. Maintenant, c'est un petit peu salaud, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il l'annonce pas. Alors que sur Jap, le portail Tanabata a toujours été annoncé. Au moins. Bon après oui non, de toute façon c'est un mauvais portail en termes de taux donc on s'en fout mais le truc c'est que si c'est pas ça, c'est quoi? Enfin c'est quoi comme portail? Parce qu'à un moment donné, et le problème aussi, l'autre problème c'est qu'il n'y a pas de tickets à part le 25. Ça veut dire que les tickets on va les avoir comment? Pac Piaf qui va pop, il faut invoquer, mais s'il faut invoquer sur Tanabata pour avoir des tickets c'est nul parce que le portail pue donc... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça se trouve ils vont mettre les tickets sur Tanabata pour... Nous inviter à invoquer, mais le problème c'est que le portail est nul. Le portail est très très nul, donc je ne comprends pas, je comprends pas, je sais pas. Je sais pas où sont les tickets, j'y comprends rien, c'est très étrange. Je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, alors il y a la multi à 30, évidemment, faites-la, ça c'est sûr et certain. Après, au-delà, je sais pas quoi vous dire, enfin, je peux que vous inviter quelque part à attendre. Le portail va rester jusqu'au 31, la multi, il n'y a pas de temps pour la faire, c'est la 30. En free to play, franchement, je vous conseillerais d'attendre, faites la multi à 30 et après attendez parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, je comprends rien. C'est quoi ce portail? Parce que, enfin, le portail des tickets, au final, on sait même pas c'est quoi. Donc moi, je vous conseillerais d'attendre parce que on sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Hein. Vous avez vu portail sublime après, 3 jours après le step-up, enfin... Voilà, moi je vous conseille d'attendre parce que là c'est vraiment pas clair, je comprends pas. Bon, sinon au-delà de ça, le portail, qu'est-ce qu'il donne alors? Bon, hit, hein, ça on le savait, c'était sûr, donc là tout va bien. Alors Vegeta MF, il me manque un doublon, donc c'est quand même une carte en plus pour moi qui sera intéressante. Après, il est censé être sur Piccolo, si jamais il est sur Piccolo, bah voilà. Donc en vrai, c'est bien et c'est pas bien. Et après, bah, c'est le festival, hein, comme prévu, hein, C17, Vegeta Evolution, qui est là depuis je sais combien de temps, je le compte même plus tellement il est là tout le temps. Jiren, pareil, 1 milliard de fois revenu. Bardock, moins de fois revenu, même si je l'ai à fond, j'avoue que il revient pas tant que ça, donc à la limite. Donc voilà, en gros, trois portails qui m'a... enfin, trois cartes qui m'intéressent sur ce portail, c'est mieux parce que je m'attendais à deux, donc ça va, tu vois. En vrai, ça va, ça peut aller. Donc voilà, je voulais également vous montrer ceci, parce que ça a pop du coup via le Data DL, donc merci à Kowai pour les infos. Donc, le Vegeta Tech et le Goku, donc ont un leader catégorie, donc à 120% qui plus 3, ce qui est pas mal. Digne rival, bon Tech en secondaire, et Goku, c'est lien maître et disciple. Alors je rappelle que ces deux catégories existent sur la Jap, respectivement le leader de Digne rival c'est Piccolo, et ici c'est Mirai Gohan à intelligence. Donc on a en avant ces deux catégories, donc bon, ça va pas servir à grand chose, hein, évidemment. Mais c'est bon à noter que bah, même si vous ne droppez pas les futurs leaders, vous pourrez jouer en mettant celui-ci, ce qui est loin d'être dégueu, ça reste totalement jouable. Et enfin, sur l'aspect, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire, eh bien, ils stack l'attaque et la def à l'infini. Tout va bien, ces deux cartes sont totalement craquées. Meilleur SSJBU, j'annonce, hein, voilà, c'est... Pour moi, là, c'est acté. Alors, Jubai ZTR qui reste très très fort, certes, mais celui-ci, il n'y a pas de restriction particulière, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment fumé. Alors, je vous montre aussi les specs qui ont été mises à jour, et ça fait plaisir, parce que c'était pas sûr, hein, mais regardez. Alors, celle de Vegeta, j'avoue que tout le monde a bien rigolé sur ce plan. J'avoue que je comprends pas trop, mais bon. Bref. Donc voilà, c'est
c'est voilà, faut pas s'attendre à un truc de ouf. C'est simple mais efficace. Bon, celle de Vegeta, ok, sans plus. Celle de Goku, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est un peu plus travaillée. Voilà, quelques plans sympas, notamment celui-là. Celui-ci également. Voilà, c'est simple mais efficace. Moi, j'aime bien les SP assez rapides comme ça. On a des jolis plans. Bergamo. Ah, attendez. Hop. Bergamo, pareil, ça a été un peu retravaillé. C'est vraiment pas mal. Quelques plans des acolytes. Voilà. Plutôt sympa. Bon, l'explosion finale qu'on connaissait. Et enfin, dans sa forme géante, bah, très très belle SP. Bon, simple mais efficace, regardez. Attendez, on n'avait pas vu le plan, voilà, le plan de début. Donc voilà, c'est sympa, c'est sympa, c'est vraiment sympa, c'est cool. Donc voilà les amis, pour les petites infos supplémentaires, on a fait le tour. Donc maintenant, on va passer aux invocations, évidemment, ça va être le moment. Bon les amis, c'est le moment, bon vous savez ce qu'on veut, hein. Évidemment, objectif numéro 1, hein, on l'a, bah c'est bon, hein, je pense qu'on peut dire ciao portail. Hit, aucun doublon, je dis pas non. Hein. Alors l'année dernière sur le portail de L, je me suis fait shaft comme jamais. Hein. J'ai mis toutes les soldes, même un peu plus. Je me suis vraiment fait shaft. Voilà. Donc je dirais pas non à que le jeu soit sympathique pour ce Noël. Hein, même si encore une fois, c'est vrai que c'est très hypothétique hein, ce qui va se passer. Donc voilà, les amis, c'est maintenant qu'il faut envoyer la luck. Je compte sur vous. GG à tous ceux qui ont déjà invoqué, qui ont droppé. Bon courage pour vos poules. On est parti. Si on voit la faille de rosée, l'animation Whis, les Zeno, Jubai garanti. Ok, on commence par Vegeta. Oh, Vegeta bleu. Ah non. Attendez. Non. Non, en fait, vous savez, il y avait le texte. Il y avait le texte en gold, mais je crois que ça, c'est juste Dokkan Fest. Hein, c'est... Ouais. Ouais. Bon, comment on commence. J'allais dire, on commence très très fort. Non, mais c'est pas. Je me suis dit. Végéto bleu, mais non. Non. C'est Dokkan Fest. Enfin, si, je sais pas si Végéto. En fait, je sais plus si Végéto bleu apparaît que dans l'animation de Whis. Ou il peut apparaître autrement. Ok, et dans ce cas-là, te garantir le nouveau, je sais plus. Ça, c'est un petit détail que j'ai zappé. Ouais, on commence très très fort. Hein. Là, je suis monté d'un coup, là, j'ai fait waouh. Alors, Vegeta Evo qui, je crois, atteint le même rang que Broly Super Saiyan 17. Hein. Je l'ai pas dit, mais. Voilà. Parce que je crois que, ouais, j'ai atteint le même nombre de doublons. Hein. Tellement il est revenu. Et là, encore une fois, il tombe, ce qui fait pas très plaisir. Hein. Clairement. Ça fait pas très plaisir, donc ce sera pas pour moi la first multi non plus de Noël. Ce sera pas pour moi, les amis. Ce sera pas pour moi. Ah ouais, d'accord. Alors, on continue à défier les taux de drop hein, sur la chaîne. Hein, c'est Gohan et Goku Kamehameha familial. On veut voir le truc de rosé, là. Ça, c'est un trio qui marche absolument pas, ça. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça, c'est la multi qui pue la merde, les gars. J'aimerais tellement drop sur une animation de merde. Ça m'est pas arrivé depuis une éternité. J'ai plus de piquant, mais ça date. Hein. Tu veux pas faire pop le Jubai comme ça, là tu vois. Genre de nulle part. J'ai mis la petite OST Pokémon qui m'envoie de la force. Normalement, mais après je sais pas. Je ne sais pas, mais normalement elle m'envoie de la force. Bon, visiblement. Bon, la première elle m'a envoyé de la force, mais. Mais là, je crois qu'elle va m'envoyer le SSR garanti et puis ciao. Vegeta, SSJ3, Tech, GT, rien à cirer. Troisième multi, les gars, allez. Allez, le Jubai, il est stylé, on le veut, clairement. Wow. Ça pue encore la merde. Hein. Je rappelle Arc-en-Ciel, là, on s'en fout, hein, parce que bon, vu qu'il y a plein de SR sur le détecteur, ça annonce rien de fou, hein, donc, ouais. Ouais.
Allez, le jeu déconne pas. Me shafte pas deux Noël de suite quand même. Bon, il y a un an entre les deux, certes, mais. Mais bon, voilà quoi. Ah ouais, on part sur le multi avec un seul SSR, c'est ça que t'es en train de venir le jeu. Encore. Ah, les SL Junior, je dis pas non. Je dis pas non. Pourquoi pas. Pourquoi pas, bon SSR, bon SSR. Enfin, je préfère dropper ça que des doublons inutiles, hein, mais bon. Je préfère aussi dropper Jubai, et puis accessoirement hit, hein, zéro doublon, hein, voilà. Hein. Je rappelle. Au cas où c'était pas très clair. Ok, inutile. 3 multi, une carte détecteur, c'est pas fameux. Parce que voilà. Enfin putain, Colide Walida, ah non j'allais bader là, attends, Goten Krillin à un moment donné, je veux bien, mais... Bon, Colide Walida détecteur, les amis, mais bon, voilà, après... Après, il y a cette carte sur le détecteur, donc... voilà, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a... Bon, après, il y a 3 cartes qui m'intéressent, hein, presque la moitié en vrai, hein. Mais bon. Allez, le jeu, montre-moi que des fois, on peut dropper la carte... Sans mettre 700 DS, ça serait bien. Wow, c'est quoi ce nombre d'SSR moi que... Non, Walida, c'est faux. Non, c'est détecteur. On est dans le thème, hein, Tour du pouvoir, on est dans le thème. On est dans le thème. Bon, tout ça, ça me sert à rien, malheureusement, les amis. C'est du 100% Jubai. Ça va être sur le garanti ou quoi? Jubai. Ouais, ça va être à la fin. Ça va être à la fin. Jubai. Putain. Ah, c'est grave. C'est grave, sérieux les amis, c'est grave. Mec, il est là depuis je sais plus combien de portails, il vient tout le temps, c'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, je crois qu'il dépasse Super 6-7 et Broly, hein, je rigole même pas. Hein. Je crois qu'il a dépassé le record. C'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas, putain, mais déjà deux fois. Hein. Deux cartes détecteur, deux fois Vegeta. Non mais à un moment donné, il y a 7 cartes, je tape deux fois le même. Enfin, à un moment donné, je veux bien, mais ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Bon, avant-dernière multi de la VOD, les amis. Hein. Peut-être même la dernière si elle est nulle, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre que quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, truc de rosé, je sais pas, il y a un truc, là. Bah, mais d'accord, Vegeta, mais c'est un vrai ou c'est un faux? Ah, ça pue. Ok, ça pue pas. Vegeta bleu, peut-être, mais je suis pas sûr qu'on puisse l'avoir. Ouais, non, je pense pas qu'on puisse l'avoir. Bon, ok, on remonte. Là, on peut revenir, il faudrait au moins hit Vegeta MF et ou Jubai, et là, on serait pas trop mal. Ça serait déjà ça. Enfin, si on a Jubai, je suis refait, évidemment, mais... au moins un truc utile. Si c'est pas trop demandé, hein, on est quand même bien... On est combien 5 multi, là, ouais, 5 multi, bon. C'est bien, 5 multi, ça fait, bon, du coup, 230 DS. C'est bien, 230 DS, le jeu, hein, déjà, c'est... C'est pas mal, enfin, du moins, pour avoir un truc, hein, je veux dire, pas pour braquer, mais... Ah, c'est bien. On est en train de faire tout le détecteur, évidemment, hein, sauf les cartes qui nous intéressent, comme bien souvent, en fait. Hein, c'est comme bien souvent. Ah, parce que souvent, les trucs, ça arrive au dernier moment, mais... Voilà, on est en train de faire tout le détecteur, sauf les cartes qui m'intéressent. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On adore. On adore. C'est bien. Plus Bardock et C17, et puis on aura fait le tour. Hein, comme ça, c'est cool. Il va y avoir que Jiren, j'imagine. Ouais. Ah, le jeu. Rildo, pas d'éveil. Déjà à fond depuis un milliard d'années. Dernière multi, les amis. On prie. Pas de truc de rosé. Une full team qui annonce rien. Kamehame, ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue énormément. Je prends. D'accord. Bon, bonne carte. C'est bien en fait, on a des bonnes cartes en détecteur. Par contre, les cartes détecteur, non, y a pas moyen. Y a pas moyen d'aller chercher celles qui nous intéressent. C'est dommage. C'est dommage.
C'est dommage. Bon, les stats Pokémon, en fait, non, c'est ça marche pas. Ça marche que pour les shiny, je crois. Voilà. Waouh. Lourd. Lourd, les amis, lourd, lourd, lourd. Bon, le Vegeta est le bienvenu, hein, soit en passant, mais... Ah oui, on te veut en animation en fait, pas en carte, mais bon. Bon les amis, on s'en refait deux, et après c'est terminé pour la VOD, on terminera pourquoi pas ce soir en live, hein, mais de toute façon on va pas aller bien loin avec le peu de solde qu'il y a. Allez, 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 la brèche de rosée, je sais pas, enfin faire un truc le jeu. Oh là là, pff, c'est pas possible. Eh bah, ça va être encore un shaft de Noël. SSJ1, ouais, je crois que j'aurais pas dû en fait. Ah, je crois que j'aurais pas dû. Je crois que j'aurais pas dû faire ça en fait. Clairement, je crois que c'était pas une bonne idée en fait après tout. Ouais. Ok, je crois que je vais arrêter de commenter hein, parce que bon, dropper deux fois la même carte hors détecteur en si peu de temps. Voilà, j'ai plus de chances de dropper 20 fois Jubai, je crois, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Habituel sur la chaîne hein, de défier les taux de drop comme ça, de cette manière-là, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Je sais pas ce que Manda ils ont fait à mon compte, mais... Y'a un truc, hein. Y'a un truc. Y'a un truc, hein. Décidément, hein. Décidément. Ça va encore partir sur full solde pour espérer avoir quelque chose. Ok, alors par contre, hors détecteur, on arrive à aller choper de bonnes choses, hein, mais... C'est bien, hein, mais bon... À un moment donné, ouais. Le détecteur, c'est bien aussi, hein. Hein, genre, tu vois, genre lui, par exemple, tu vois. Hein. Ça peut être bien. Hein. Bon, allez, les amis, dernière multi-invocation. Après, ciao pour ce matin. Pas de truc de rosé. Vegeta, Tenshin Han. Omaega number one da. Dernier espoir, les amis. Dernier espoir. Encore une fois, je sais pas si Vegeta bleu peut pop, mais en fait, je crois pas. Je crois que c'est que avec l'animation Whis. Mais au cas où. Ouais, non, à mon avis, il peut pas, je crois. Je crois que c'est... Je crois que c'est que avec l'animation Whis, en fait, qu'il y avait Vegeta bleu. Est-ce qu'on peut sauver la vidéo avec... en ayant un truc utile? Franchement, au moins ça, quoi. Au moins sauver la VOD. Parce que là, c'est pourri, hein, c'est pourri. Enfin, en vrai, c'est pas pourri. Enfin, si on prend un compte vierge, entre guillemets, mais... Bref, t'as compris. Est-ce qu'on peut sauver la VOD? Je ne sais pas. Il faut demander au jeu. Est-ce qu'on peut sauver la VOD le jeu? Est-ce qu'on peut sauver la VOD? Ça va être à la fin. Est-ce qu'on peut la sauver? Ah, ça remonte à la fin, quoi. Je vais me troll. Est-ce qu'on peut sauver? Espèce de maïs. C'est incroyable. 4 cartes détecteur, que des doubles. C'est 3 cartes qui m'intéressent sur le portail. C'est... Ouais, j'ai plus les mots. Franchement, les amis, je sais plus quoi dire. Hein. C'est... Je crois qu'il y a rien à dire de toute façon. Hein. C'est... Voilà. C'est lamentable. Hein. C'est... Mais bon, c'est... On va dire que c'est l'habitude. Hein. Parce que bon, même si ça arrive des fois de dropper rapidement, c'est quand même extrêmement rare. Hein. Donc voilà, on va repartir sur un full solde et peut-être qu'on aura quelque chose, peut-être qu'on aura rien du tout, je ne sais pas. Mais on verra ça ce soir en live, je ne sais pas. Bref, j'espère que vous aurez plus de luck que moi, ça va pas être compliqué à mon avis. Des bisous à tous, à très très bientôt. Salut.